Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Miles Edgeworth Investigation Ace Attorney. La dernière fois, petit épisode entr'acte d'une petite demi-heure où nous avons rencontré notre procureur prodige favori Francisca von Karma qui nous a honteusement et sans nombre d'une preuve tangible insulté de coupable de suspect numéro 1, chose que nous nous sommes défendus, et à force d'entourloupe et de découverte de preuves et de logique, May Dessuyer est hélas la nouvelle suspecte qui a été envoyée au poste, et nous allons maintenant nous rendre dans la soute pour savoir où est la véritable arme du crime et surtout vérifier les valises. Parce qu'il y a une histoire secondaire comme quoi les valises de Madame Dessuyer ne se rendaient pas, donc du coup elle les a achetées elle-même. Voilà. Alors je vous rappelle que nous sommes toujours dans un avion de type Transformers qui possède donc un ascenseur et au moins 3 étages. Oui, c'est énorme. J'ai envie de dire comme mon sbi. Et un modèle spécial. Tu m'étonnes que c'est un modèle spécial. Mais oui, je pense sans doute que c'est probable, oui d'ailleurs, sinon on serait pas ici, ma chère Francisca. Ah, au début de l'enquête déjà, oh mon dieu, ça va tellement vite. Eh bien, commençons. Déjà, première chose qui me tape à l'œil, c'est ce trou. Nom d'une valise, oh mon dieu. Oui, et qui ont été honteusement cachés ici. Ce qui me fait penser comment personne n'a pu les voir. Alors que quand même, ça pique l'œil. Ok, tu peux donc éviter de claquer un SMIC. Ou bien tu échanges contre un iPhone 10. C'est d'actualité, j'aime beaucoup. Tous les jours, on dirait bien qu'ils n'ont bien joué, Benjamin. Bien joué, c'est un bris de verre. Intéressant que cela. Est-ce que j'ai toujours ma logique? Logique, c'est parfait. C'est incroyable ce qui se passe. Une logique à toute épreuve. Ah bah totalement, oui. Incroyable, Techy, tu as fait une corrélation avec les lunettes. Elle est venue là, mais est-ce que cela veut dire qu'elle a été tuée? Ah, alors, non, on ne sait pas. Alors, franchement non, parce qu'il faudrait des indices plus probants. Parce que maintenant, en fait, des fois, c'est ma chaise qui grince. Une probabilité qui était déjà assez faible. Alors, maintenant que c'est... Je crois que je n'ai plus aucune logique. Ah mais attendez. L'indice... l'indice, hein, qui est ultra visible. Hein, c'est la valise ouverte. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, dis donc. Alors, regardons cette valise. Ah bon? J'ai rien vu. Pardon? C'est de quoi? Ouh là là! Ouh là là! Tâchons de ne rien dire à Francisca, ce sera notre secret pendant au moins un bon quart d'heure. Et donc c'était une intervention IRL, je vous l'ai dit,
À chaque fois, je vais sortir que les interventions virales sont la marque des professionnels. Donc, un drap de lit. Ah oui, raconte-moi ton histoire. Perspective. Raconte-moi une histoire. Et puis y a un drap là. C'est... Ah non. Oula. Oula, c'est impressionnant. Voilà, les blagues sont vraiment beaucoup géniales. Je peux examiner l'ascenseur ou pas? C'est dommage, hein? Ah, ce détective, un véritable enfant. Alors, parlons à Franziska von Karma. Hein? Oh, elle n'a même pas essayé de me mentir. Très fort. Je vais étaler mon inculture, mais je ne sais pas ce que veut dire ramification. Oh! Cela expliquerait certaines choses. Mais dans ce cas, est-ce que le fait que tu sois chez Interpol expliquerait qu'il ait des documents sur toi? Ce serait ballot, mais ça se tient. Oh là là. Oui, quelques explications. Heureusement que j'ai fait ces déductions devant toi et que tu n'as rien entendu, même pas notre conversation, Franziska. Oh, comment tu mens? Comment tu mens? Non, en fait, il y avait des indices, il y avait des papiers dans sa valise. D'ailleurs, les papiers aussi importants dans une valise, je suis pas sûr que ce soit le best endroit pour les cacher. Oh, c'est beau, elle ne ment presque pas. Une immense réseau international de contrebande. Quand tu me dis contrebande, je pense très très fort à ce cher monsieur Lablanc, mais très 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 fort. Hein. Ah, le fameux téléphone. Le fameux téléphone, évidemment. Oui. Ah, c'est une très bonne question. Écoute. Ah, il sait. C'est possible. C'est pas stupide. Von Karma, tu te calmes. Ah, oui, vous fouillez, bien sûr. Voilà, le réseau contre Bourmet. Sais-tu comment il avait l'intention de mener ses investigations? Je pense que le jeu se fait l'investigation. Pouce bleu si t'as reconnu la référence. N'oublie pas le pouce bleu à 10 minutes et 30 secondes évidemment pour être en top tendance. C'est comme ça que je vais avoir un max d'abonnés et toucher la YouTube money. Sans doute. Alors, il n'y a pas de trace de sang.
Ah, c'est possible. C'est très possible. Pour l'instant, on est... Wouh ! Enquête terminée. C'était une enquête compliquée, je dois l'avouer. Je n'étais même pas sûr d'arriver au bout de cette enquête. Ah, mais qui est le coupable ? Évidemment, tu vas dire que c'est Mel des Suets. Ce n'est pas elle. Je ne suis pas d'accord et je vais te le prouver. Oui. 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 Et que dis-tu du... pas du commandant? Ah, je vais devoir t'interroger là-dessus. Ah, une preuve avec Ablord, ça, mon Dieu. Eh bien, justement, un instant, dis-moi tout. Et oui. Oh, hop. Oh, ah, le cher inspecteur négligé, évidemment, le petit surnom. Ah oui, dis-moi tout sur Momie. Ouais, c'est vrai qu'il faut un pass. Oui, la probabilité. Mais je l'aime pas, ton père. Je rappelle quand même que Monsieur Manfred von Karma a essayé de nous faire porter le chapeau. Ah oui. Ah, l'arme du crime, hein, évidemment. Mais ça veut rien dire. Oh là là. La clé de la vitrine. La tirelire meurtrière. Alors, attends. Non. Ah, mais c'est une... Ah, mais d'accord. Ah, mais je l'avais pas vu. Ouais, je fais ça pendant qu'on parle, écoute. Ah non, d'accord. Oh, ce papier qualitatif, regarde-moi cette 3D incroyable. Une 3D de fou. Oui, bon, c'est bon. Que devrais-je examiner? Alors, la scène de crime, je ne pense pas. La tirelire. La tirelire, quant à elle, je ne sais pas. La tirelire non plus. Je pense qu'il faudrait regarder le corps. Je penche pour le corps. Ah, c'est pas faux ça. Oh, incroyable. C'est pas faux du tout. C'est en même temps de la réflexion et en même temps
un peu du pif. Je dois vous l'avouer. Mais le pif marche tout. Oh! Nous serions-nous bloqués? Par hasard, hein? Ah. Son dos? Oh, merci! Bah déjà, je pense avoir bien fait de lui demander une autopsie. Bah, la violence des coups! Ah, bon déjà, il cherche. Ça veut dire qu'on a attendu je sais pas combien de temps dans la soute, sans bouger, avec un officier qui le regardait, pendant au moins... Allez, remonter par les escaliers, demander puis revenir, je dirais au moins 5... Entre 5 et 10 minutes. Oh, ce pauvre technique, qu'est-ce qui... Ah, ne serait-ce pas notre cher Lablon? Voilà. Non mais en même temps, le mec il va entrer, il fait le bagarre, ma marchandise, mon temps, l'argent, tout ça. Oh là là, attention, action, attention, scène d'action. Bon, la passerelle, pas. Excusez-moi, j'ai ri. Oh! Attendez, il y a une logique qui est en train de se faire. Mon Dieu, la logique est en train de d'augmenter pendant que la lampe tombe. Il a fait une chute, chute, il a chuté comme une vieille merde. La logique. L'arme n'a pas été trouvée. Car il n'y a jamais eu d'armes. Il n'a pas été frappé, il a chuté. Pas du tout. Pardon, excusez-moi, c'est ma faute. Donc... Il a chuté, il a chuté. C'est pas ça mon truc. Le raisonnement logique. La logique. S'il vous plaît. La logique. La logique. S'il vous plaît. Bon. La logique. Revenez. Bon. Essayons d'être logique un moment. Bien plus grand, et oui, et donc ce bien plus grand expliquerait pourquoi l'arme n'a pas été trouvée. Oh, incroyable cette logique. On a négligé tellement de choses. Leblanc, tu es un génie. J'ai une idée de génie. Oui, je l'ai trouvé. C'était tellement... Bien joué. Non mais ta gueule t'active. Oui.
On s'en fout. Alors, montre-moi cette véritable arme du crime. Eh bien, tu vas rire, mais je n'ai hélas pas de preuves. Non, 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 non. Parce que la preuve, elle est devant ta gueule. Une chute libre. Il a fait une chute, oui. C'était évident, mais on ne l'a pas vu. Bah oui. Si. Non mais la blanc est très 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 résistant. Faites du calme. Il est vivant. Fucking genius. Non, non, je crois que t'as pas compris en fait ce qui s'est passé. Voilà. Ouais. Je veux dire que la chute actuelle est beaucoup trop petite. Parce que. Il n'y avait pas cette cargaison. Bien joué, détective. Aussi. Tu ne réfléchis pas assez en fait. Alors attendez. Ça c'est les films. Et ça c'est le ravitaillement en Zenfa entre 10h et 11h. Francisia, ferme ta gueule. Et prends ça! Oh bah ça alors. Waouh, c'est incroyable ce qu'on découvre en ce moment. Merci. Ah, une réflexion incroyable. Oui, il faudrait que je le fasse. D'ailleurs, je vais le faire. Quoi je vais faire? Allez, on enlève tout ça. La blanc, oui, tu es en train de m'insulter. Ah, tu es. Ah. Oui, la blanc. Alors, je suppose que c'est à toi. Ah, évidemment, ça n'allait pas être aussi facile. Oh, tais-toi. La blanc, la blanc, la blanc, la blanc. Parlons, parlons, discutons entre personnages civilisés. S'il te plaît. Millions de centimes, ouais, 100 000 euros, ce qui, disons le est d'une certaine somme, oui, mais quand même, mais non, ça représente beaucoup de paquets de pâtes. Non, j'ai appris à lire avec ton ventre. Oui. Oh, c'est une très bonne question, sache-le.
ou bien en yens, les centimes de yens. Est-ce que ça existe vraiment d'ailleurs? Je ne pense pas, je ne sais pas. Un objet d'art précieux. Mon dieu, cette information est capitale. Mais dis-moi, cet objet d'art précieux ne serait-il pas un objet de contrebande? Ce serait ballot quand même si ça arrivait. Je l'ai toujours su que t'étais étrange et que t'étais suspect. Ah! Zinc la blanc. Ça s'appelle vraiment Zinc la blanc? Jessie Camomille. Ah, j'ai toujours. Alors, mais il dit celui-là, je sais pas. Et elle. Agbx. J'ai toujours pas compris les jeux de mots là-dessus. Alors. Ah, facture. Ouais, des petites lignes, des petites lignes, des petites lignes. Un logo, des petites lignes, des petites lignes. Et une signature. Alors, la cargaison a été mise sur l'avion en Europe de l'Est. D'accord. Non, je suis pas d'accord, il y a un truc. Ah, vas-y. Ouh, c'est moche. Ah, bordel, ah. Eh ben écoute, en histoire, je ne sais pas. C'est ultra moche. Oh la vache. Alors l'air, c'est beaucoup plus dégagé. Et c'est quoi ça? 5 fois express sur le tissu, donc je dirais que c'est... Oui. Incroyable. Alors, examinons cette statue. Oh la vache, elle est sous verre, donc. Donc sous protection. Ah, c'est le jeu de la différence. Alors attention, il faut trouver ce qui ne va pas. C'est le jeu des différences là. J'ai tout, un peu tout examiné en fait, parce que je ne trouve pas. C'est un jeu, c'est le jeu de la différence. Il faut trouver ce qui ne va pas. Mais reconnaissons quand même que les putain de moche. Ah mais dis-moi, attends une seconde, attends non. Mais ça alors, je vais me foutre sur ses yeux. Et je vais déduire. La contradiction est évidente. Eureka! Oh, c'est beau comme souvenir. Non, mais... Non, t'inquiète, arrête. On travaille. Oui, t'es bien. C'est donc une faux. Une faux. Une fausse statue, pardon. Ah, parfait. Regarde la photo.
Non, non, mais je vais pas, je vais lui foutre un kick. Vous verrez. Regarde. Oh, tu as vu? Oui? Si! Il a remarqué! Waouh! Bien! Donc, maintenant que ceci est fait, on va l'examiner un petit peu, cette statue dégueulasse. Alors, voyons voir. Ah, ses yeux sont tellement d'une mauvaise couleur, ça ne va pas du tout avec son teint. Tiens, mais c'est bizarre! Oh là là! Divay, oh là là! Mais il y a ceci! Cette petite merde là! Non, ça! Ça! Bon, alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ah! Oh, je suis stupide. Non. Mais évidemment! Évidemment, comment je peux oublier? Comment je peux oublier? C'est impossible que cela puisse arriver. Où elle est? Où est ma... Alors... Le Gouvernement des Stores, embarqué en Europe de l'Est... Et oui! C'était ça! C'était pas ça, merde. Non. Ok, bon, non, 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 je me suis trompé, détective. Ah, bah voilà! Voilà, c'est ça, et c'est... Non, 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 descends, descends, descends. Voilà, je sélectionne ça. C'est ce tissu-là, ce bout de tissu Zenfire Express, qui ne correspond pas... Voilà! C'est ça. Non plus. Merde. Je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. Non, donc elle attend. Voilà, c'est ça. C'est coincé. C'est coincé. Voilà. Bla bla bla. Et donc, c'est déduction. Avec la cargaison du Zengfa. Donc, cette... Voilà. Là, normalement, c'est bon. J'ai... Oui, bah, dis ce qu'il y a de marqué dessus. Ah, elle l'a lu. Est-ce que tu comprends? C'est un faux? Et oui. Ah ah, mise à jour du document. Très bien.
Oh, enquête terminée. Yes. Parfait. C'est trop bien ce qu'il fasse. Ah là là. Cet homme était très impressionnant dans son travail. Voilà, parce que à la base on était parti sur ça. On a perdu à peu près 10 minutes. Ah mon Dieu, une réaction du sang! Yes. Tiens. Donc là, ma théorie, tu la prends bien, tu la sens. Oh! Comment a-t-il fait ça? Oh là là, c'est une excellente question, je ne sais pas du tout. J'ai envie de te dire que là, il n'y a pas de preuve. Je crois que tu as gagné, prends ça! Paf! Alors. Oui. Oui, ce qui veut dire que si on remet Oh! Évidemment, Madame Momie, elle a même pas sans chercher. Oui, elle l'a dit. Elle a vu Monsieur X à sa place à 11h. Bon, bah, je pense que maintenant, c'est bien, détective. C'est bien, détective. Eh bien, et si on allait la voir? Mais dans le prochain épisode, oh, du suspense. Oh mon Dieu, il y a trop de suspense. Et c'est sur un petit 40 minutes hein, qu'on va se laisser. Eh ben dis donc, ça va être bien. Je pense que la prochaine sera la fin de cet épisode. Et là, tout se met en place, tout s'assemble, tout se met en position. Les planètes s'alignent ainsi que les preuves. Ce n'est donc pas Madame Dessuyer qui aurait tué Monsieur Higgs. X. Putain, X, je ne sais pas. Mais peut-être Madame May Dessuyer qui l'aurait fait. Peut-être fait-elle partie du réseau de contrôlement. Nous ne savons pas. Nous le saurons la prochaine fois. Dans la prochaine et dernière, sans doute, partie de cette affaire. C'est comment déjà? La volte-face dans les airs, je ne sais plus. En tout cas, j'espère que ceci vous plaît. J'espère que vous êtes à fond, que la hype est là. Je vous invite à liker cette vidéo si cela vous a plu, à la commenter sur votre réaction, si vous avez fait le jeu, ce que vous en pensez. À vous abonner à la chaîne si le contenu en général vous plaît. À me suivre sur Twitter où des fois j'annonce des trucs. Merci à tous. Bon jeu! Et à la prochaine pour la suite de Might's Edgeworth Ace Attorney Investigation.